Moi, je suis un citoyen européen. Bonjour. Vous êtes, vous écoutez euh, European Citizen Radio, qui est une émission du European Democracy Lab, présidée par Ulrike ici présente, que je vais avoir l'honneur d'interviewer dans le cadre d'une émission spécial, puisque cette fois-ci nous avons décidé de la faire, cette émission en partenariat entre European Democracy Lab d'Ulrike, de qui est dirigée par Ulrike, et le laboratoire européen d'anticipation politique que je dirige pour ma part depuis Paris. Donc c'est un entretien que nous allons avoir toutes les deux. Euh, de, moi je suis à Paris, euh, Ulrike est à Berlin, on fait ça à distance, et l'idée c'était que j'étais moi personnellement intéressée à interroger un petit peu de manière approfondie, Ulrike, sur son expérience, son histoire auprès de Jacques Delors, qui nous a quittés le 27 décembre dernier. À un moment où, effectivement, l'Europe est en plein questionnement, en pleine crise. Et je trouvais que c'était intéressant de demander tout simplement à Ulrike, qui a une telle, effectivement, expérience européenne ensuite, euh, très, avec euh, des tas de moments différents, d'ailleurs, dans cette carrière européenne qu'elle a poursuivie depuis lors et est, dans laquelle elle est d'ailleurs toujours. Hein, et, mais de re revenir, du coup, euh, sur cette période initiale où, jeune allemande, euh, elle s'est retrouvée dans le cabinet de Jacques Delors. Hein, euh, qui a donc euh, à l'époque où il présidait la commission européenne et donc voilà, ça va être un échange très spontané et naturel sur euh, sur cette euh, expérience là. Pour le, du point de vue bien sûr d'Oulrikhe, ce qu'elle en a fait elle ensuite, mais aussi ce regard qu'on peut avoir aujourd'hui sur cette Europe. Est-ce que la mort de Jacques Delors euh, nous renvoie symboliquement à effectivement un chapitre de l'histoire qui se tourne Donc c'est le ce sera le thème de notre émission qui va durer 45 minutes. Et je voulais commencer euh, par la citation, la, la, non pas la citation, mais la dédicace que Jacques Delors vous a fait, Ulrike, euh, et que vous m'avez lu tout à l'heure, et je trouve que c'est bien de commencer par ça, parce que voilà, est-ce que vous pouvez nous la lire, cette citation de, <laughs> cette, euh... <laughs> Cette... Bon. Bonjour Marie-Hélène, je suis très heureuse qu'on fasse cet entretien pour nous remettre un peu dans l'esprit des années 90 et ce que ça a été le démarrage de l'Europe sous la présidence de Jacques Delors en tant que président de la Commission européenne. C'est vrai que j'ai travaillé pour lui pendant deux ans, 96 à 98, au siège de Notre Europe, qui était le petit think tank que Jacques Delors a dirigé à l'époque avec Christine Vergère qui était secrétaire générale. Et c'est vrai que je, 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 je voilà, c'était un, un temps plein d'espoir pour l'Europe qu'on a tout à fait perdu, et donc je suis d'autant plus contente de mener cette interview là aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je me suis préparée à cette interview, je ressorti mes livres de Jacques Delors, dont un livre L'Unité d'un Homme, entretien avec Dominique Volton, un livre sur Jacques Delors et qu'il m'avait offerte à l'époque quand je l'ai quitté en fait en 18. Et et il m'a dédicacé euh, à l'intention d'Ulrike Guéraud en témoignage du team d'amitié euh, avec tous mes souhaits pour une carrière professionnelle qui s'annonce brillante. Et c'était tout à fait en douceur qu'il m'a dédicacé cette, euh, ce, ce livre. Et c'est vrai que quand il a décédé, là, sous peu, c'est vrai que ça m'a fait un moment très ému, on doit le dire, parce que, comme tu l'as dit, c'est vraiment une page qui se tourne, une page de l'Europe. On, euh, on est 25 ans après, et puis. On, on regarde une Europe qui est en éclat et on a du mal aujourd'hui. Je pense qu'on a tous du mal de se remettre dans cette Europe d'espoir, dans cette Europe politique qu'on voulait créer et qui a l'impression d'être complètement harcelée aujourd'hui. Voilà, oui, effectivement. Donc c'est un petit peu. Mais avant de, de venir sur ces bilans là et, et de regarder peut-être vers l'avenir aussi, euh, donc est-ce que tu peux approfondir donc cette période de deux années hein, finalement que tu as passé auprès de, de Jacques Delors euh, donc, je, je répète, hein, Jacques Delors, c'est vrai, euh, enfin, je ne répète pas, je, Jacques Delors, c'est une très grande époque euh, de l'Union de européenne. Ce n'est pas seulement d'ailleurs grâce à lui, c'est du fait qu'on euh, euh, était quand même à une époque où l'Union européenne, on savait, enfin la Commission et la communauté européenne à l'époque, on savait pourquoi on la faisait. On avait encore une génération de gens qui avaient connu la guerre, hein, euh, dont euh, certainement Jacques Delors, qui est mort <laughs> très âgé, qui donc, euh, qui donc savait pourquoi on la faisait. Euh, alors que après après cette génération là à partir des années 90 il me semble qu'on a eu une génération effectivement qui est arrivée au pouvoir et qui était née après, les, les, cette, après la guerre, plutôt cette génération des baby boomers, qui avait plutôt été élevée d'ailleurs aux États-Unis, euh, enfin éduquée. Ils avaient été éduqués soit chez eux en, dans leur pays européen, soit euh, quand ils étaient partis à l'étranger, c'était plutôt aux États-Unis. Du coup, l'Europe c'était pas vraiment le sujet. Et il a fallu attendre notre génération, à nous, Ulrike la, et la mienne, hein, pour commencer à avoir des Européens qui sont qui sont euh, qui étaient qui sont nés, qui ont vraiment grandi dans une dans les frontières se, se tombaient ou l'erasmus commençait à apparaître etc. Voilà, donc on a effectivement ces phénomènes générationnels. Donc revenons à cette génération de Jacques Delors qui a quand même posé euh, d'aussi vastes projets que l'euro, l'acte unique européen, l'accord de Schengen ou encore le programme Erasmus, euh, que j'aime beaucoup puisqu'il est lié à mon histoire à moi, euh, mon histoire qui est liée à Franck Biancheri. Euh, donc l'IP est, est un think tank que, que j'ai créé en, 19, en 2006 avec Franck Biancheri, qui lui-même avait... Euh, qui lui avait démarré sa carrière, lui, européenne, en permettant, en lançant un grand mouvement d'étudiants européens qui s'appelait EG Europe, grâce auquel le programme Erasmus a pu être adopté. Donc on est bien dans cette, dans cette grande période de la fin des, des, des années 80, début des années 90. Comment ça se passait voilà, toi, qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant ces deux années où tu étais, où tu étais là Quel a été l'enthousiasme D'où tu venais toi déjà Est-ce que tu étais déjà acquise à l'Europe ou est-ce que vraiment cette, ce passage par, par, par la Commission européenne à cette époque-là a été vraiment t'a inspiré le reste de ta carrière eh bien, merci pour la question et merci aussi de nous rappeler euh, tous les grands projets, comme dirait Jacques Delors, les grands projets européens qui ont été achevés ou au moins lancés dans les années 90, c'est-à-dire l'acte unique, le marché a, euh, unique, euh, l'euro, Schengen et tout cela, euh, plus euh, justement Erasmus, enfin tous ces projets européens qui, euh, qui ont euh, débuté sous la présidence de Jacques Delors, qui était président de la Commission euh, entre 1995. Euh, 85 et 95, voilà. Et donc je pense que d'ailleurs tu as mis l'accent sur l'aspect générationnel. Il me semble clé. Je voudrais répéter que il me semble clé cette histoire générationnelle entre ceux qui ont construit l'Europe ou croire, euh, su croire construire une Europe politique justement dans les années 90, une génération qui aujourd'hui a ton âge, mon âge donc aux alentours de la soixantaine, disons, voilà. Et euh, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a aussi une espèce de perte de l'histoire là-dedans parce que la jeunesse aujourd'hui, il me semble, enfin les 20 ans, les 30 ans aujourd'hui, euh, qui n'ont pas été socialisés avec cette Europe, avec cet esprit politique, j'ai l'impression qu'ils ont perdu un peu le sens euh, pour ce qu'on voulait bâtir. Et je pense qu'en cela, euh, mettre l'accent sur l'aspect générationnel me semble super important parce qu'aujourd'hui, on n'a plus l'impression que la pensée européenne est portée par la jeunesse génération alors qu'à mmh. l'époque justement c'était porté par la jeune génération c'était ceux qui mmh. faisaient le franco allemand c'était ceux qui justement euh, allaient écrire des bouquins sur l'identité européenne euh, tout cela en fait tous ces projets que jacques delors justement a lancés. Euh, euh, lancé et c'était une espèce de joie c'est à dire qu'il y a 30 ans peut-être aussi voyager c'était pas encore commode qu'aujourd'hui c'était encore super intéressant justement de faire Erasmus c'était mmh. super intéressant de passer de à Barcelone ou de Paris à Varsovie et inverse, ainsi de suite, alors qu'aujourd'hui, peut-être c'est un peu plus banal. Et donc, euh, tout ça, ça s'est un peu perdu. Mais c'est vrai qu'à la recherche du temps perdu, juste permettre de, de dire cette petite phrase, mais à Paris, il y avait euh, à cette époque un groupe qui s'appelait Groupe des belles feuilles C'était un groupe des jeunes, euh, comment dire, euh, fonctionnaires, enfin des gens euh, très aptes dans leur carrière et qui organisaient des... Forum des agora européens tous les samedis au Sénat. Et c'est une ambiance, mais vraiment de l'espoir, la France qui se prête, qui s'embellit se, qui pour l'Europe. Enfin, on peut à peine imaginer aujourd'hui. Et quand j'ai écrit justement aux obsèques, pour les obsèques de Jacques Delors, un petit article mm -hmm. dans Le Monde, j'étais touchée par le fait qu'apparemment ça a été lu pas mal. Et j'ai reçu mm -hmm. tout un tas d'emails venant de la France, d'ailleurs de l'Italie, de la Belgique aussi, pour me féliciter pour ces petits obsèques. Et tout le monde, et c'est c'est ça qui est important, parce que l'article avait été entrité, euh, intitulé euh, « L'Europe de Jacques Delors est une Europe douce ». Hein? Voilà, donc mm -hmm. une Europe tendre. Et tout le mm -hmm. monde m'a félicité de cet article, mais tout le monde a aussi était en résonance que quand j'ai essayé de capter l'époque des années 90, l'Europe avait quelque chose de tendre et de douce et de prometteur. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment le, le contraire. Hein? L'Union européenne, euh, elle réfute euh, elle rend agressif, elle est... elle n'est est, est pas en cote, elle a pas la cote. Hein? Voilà, donc donc là maintenant, revenir à ta question, qu'est-ce que j'ai fait entre 96 et 98 mm -hmm. dans, 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 dans notre Europe, ça s'appelait notre Europe, le think tank qui d'ailleurs existe encore. Après Jacques Delors, le président était Pascal Lamy, grand copain en fait, collègue copain de Jacques de, Delors, de Jacques Delors. Mm -hmm. de Jacques Delors. Et, et notre Europe en fait a été créée au moment où Jacques Delors quittait la commission. En 1995. Oui. on voulait, tout le monde voulait, Helmut Kohl voulait, mais Jean-Claude Juncker trichait, tout le monde voulait que Jacques Delors ait encore sa place dans la pensée européenne d'une certaine manière. Donc, on a un peu créé cet institut notre Europe pour lui pour qu'il puisse encore accompagner justement les processus lancés. Les processus lancés à l'époque c'était euh, notamment le processus de, de comment dire de, de démocratisation de l'Europe de démocratisation du Parlement européen, la, ce qu'on appelait à l'époque le deepening, donc l'intégration plus profonde, c'est-à-dire euh, euh, réfléchir au système euh, institutionnel d'une sorte qu'il va pouvoir, euh, comment dire, achever l'élargissement. À l'époque, l'Union européenne avait 15 États membres, voulait s'élargir sur 10 euh, euh, États, donc il fallait approfondir les institutions pour ne pas bloquer le processus institutionnel. Il fallait faire la... Réforme agriculture, il fallait faire l'euro, il fallait préparer l'Europe à l'euro, il fallait faire l'Europe sociale, il fallait aussi préparer les budgets européens pour accueillir dix nouveaux États membres. Et tout cela, Jacques Delors l'appelait toujours les, gros, les grands dossiers européens, les grands projets européens. Donc le marché commun, l'euro, le, la réforme, l'agriculture, la démocratisation de l'Europe, Schengen et tout cela. Et donc, en fait, on avait plein de, de dossiers sur la table et en fait parce que de leur quitter... Les chefs d'État comme González, comme Cole, qui étaient toujours dans les barrages, disons, voulaient que Delors, qui était un peu le, le comment dire, le, le doyen du système, de l'édifice européen, d'une certaine manière, de la maison européenne, qu'il avait construite lui-même, voulait que Jacques Delors ait encore une fonction pour accompagner tout ça. Et donc notre Europe a été créée sur des fonds européens. Et euh, on se trouve maintenant en 96. Et 96, c'est aussi la date de la Conférence d'Amsterdam. D'Amsterdam était une des conférences ensuite du traité de Maastricht. Maastricht était le traité sur l'unité de l'Union européenne qui était conçu justement pour construire l'Europe politique, construire l'euro. Euh, mais il y avait des, ce qu'on appelait à, à l'époque leftovers. Euh, il fallait toujours euh, débattre du nombre des commissaires. On voulait toujours débattre euh, du, euh, du veto justement des, euh, euh, à la table des, 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 comment dire, du Conseil. Il fallait débloquer le système politique. Euh, on n'a on pas tout achevé dans le traité de Maastricht. Donc, en fait, le traité de Maastricht avait, avait des pépins, quoi, d'une certaine manière. Mm. Et pour résoudre les pépins, on a fait une autre conférence, euh, dite la conférence d'Amsterdam, euh, d'où est sortie la commission Westendorp. Westendorp était euh, espagnole, parce que c'était sous présidence espagnole. Et on voulait, en fait, encore pousser le processus de réforme interne européenne. Et là-dessus résulte le processus d'Amsterdam. Et pour donner une voix euh, à Delors dans ce processus, même après qu'il quitte la Commission, notre Europe a été créée. D'accord. Et quel est... Euh, quel, euh Impact, tu, penses-tu que notre Europe ait réussi à avoir dans justement, je veux dire, c'était pas si facile que ça. Bien sûr, il y avait une forte légitimité pour Jacques Delors à continuer d'être consulté, etc. Mais euh, euh, est-ce que ça a suffi en fait de créer un think tank pour arriver quand même à influencer euh, euh, le système européen, la Commission européenne, à partir après 1995 après ben, euh, recommandons peut-être à nos écouteurs euh, un peu euh, un peu de littérature. Hein. Il y a un livre de Charles Grant. Charles Grant est un politologue euh, anglais britannique hein, qui a écrit un livre Inside the House that Jack Built. Donc euh, à, à l'intérieur de la maison que Jacques Delors a, a, a construit. Et, et la livre, le livre il date de 94. Euh, et ça c'est un livre qui décrit très très bien l'architecture européenne que Jacques Delors a construit en fait dans la décade en fait 85 à 95, c'est une décade qu'il a construit, a commencé avec l'acte unique, l'acte unique de 86 où en fait on a déjà préparé l'euro, où en fait on a déjà préparé le marché commun avec euh, le report de Cecchini où on a argumenté que le marché commun allait créer 5 millions de d'emplois pour l'Europe. Donc tout ça, ça a été envisagé par Jacques Delors. Il fallait aussi euh, accommoder le, le soi-disant euh, acquis communautaire, c'est-à-dire il fallait faire la législation européenne pour justement permettre de, de, de créer le marché commun. Il fallait adapter les règlements nationaux et tout cela. Donc on n'a plus de souvenirs, mais à l'époque, il faut quand même s'imaginer qu'on avait par exemple encore euh, euh, l'interdiction de, de, de vendre des bières non allemande en Allemagne ou des pastas non-italiens en Italie mmh. hein, parce que les, les pastas italiennes, ils n'avaient pas des œufs euh, et les Allemands ont toujours, euh, comment dire, prétendu la meilleure bière, donc euh, la bière la plus pure, donc on n'a pas eu des, des bières belges ou tchèques dans nos supermarchés. Donc le, le marché commun aujourd'hui, c'est une, comment dire, self Enfin, c'est devenu tout à fait normal euh, qu'on a toutes les bières de toute l'Europe dans les supermarchés ou toutes les pastas italiens ou pas dans nos Supermarché, mais tout ça, c'était législation du acquis communautaire construit par Jacques Delors pour justement nous amener au marché commun sous après le traité de l'acte unique d'abord 86 et après le traité de Maastricht 92. Hein? Voilà. Mmh. Donc, mmh. une fois arrivé le marché commun, on se trouvait donc dans un marché commun et puis après, euh, on a très vite réalisé qu'un marché commun, ça sert à peu de choses si après la monnaie reste encore nationale. Parce que si on va sur un marché et on trouve un kilo de carottes et, et euh, c'est, comment dire, on les trouve avec 20 escudos ou 20 pesetons ou 100 lira ou 3 démarques ou à 5 francs, ça permet pas la comparaison des prix. C'est-à-dire, une marché qui ne peut pas mmh. afficher les mêmes prix, c'est aussi un peu compliqué parce mmh. qu'à chaque fois, il faut aller avec la calculette sur le marché pour dire bon, ben, si j'achète les kilos de carottes à 5 escudos, d'eau ou trois shillings, est-ce que c'est la même chose ainsi de suite. Voilà. Mmh. Donc mmh. l'argument a été construit que une marché vaut une monnaie, une marché une monnaie, pour que le marché puisse fonctionner. Donc c'était voilà la deuxième étape de Jacques Delors de concevoir dans le traité de Maastricht en 92 la monnaie commune. Mmh. C'était Là maintenant, ben, je veux déjà dire, il y a mille et une choses à dire sur la monnaie unique, hein, parce qu'aujourd'hui elle est bien contestée. Euh, mm. on, on peut aussi se souvenir que euh, ce n'était pas, euh, pas facile. Il y avait aussi des, des, des barres euh, franco allemandes là-dessus. Est-ce que ça s'appelle EQ Est-ce que ça s'appelle l'euro Est-ce que la, la Banque centrale sera à Paris ou à Francfort Est-ce que la politique de stabilité Ainsi de suite. Enfin, il y avait mille et une gare politique là-dessus, hein. c'était pas une petitesse quand aujourd'hui mmh. on dit qu'on a l'euro dans la poche et puis c'est tout, tout à fait normal et on, on demande aux 20 ans, ben, est-ce que vous pouvez me dire les monnaies avant l'euro, la, la plupart des gens ne savent même pas la monnaie avant l'euro hein. donc aujourd'hui c'est devenu aussi une normalité, mais mmh. à l'époque c'était une lutte, je, je voudrais aussi dire à nos euh, euh, écouteurs il y a un livre vraiment très 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 bien de Pascal Richer qui à l'époque était journaliste pour Libre et qui en 96 a écrit un bouquin qui s'appelle La guerre de sept ans comment la France et l'Allemagne ont fait l'euro. La guerre de sept ans, hein. et donc mmh. le titre mmh. décrit très bien que l'euro c'était pas une petite plaisanterie euh, politique, mais que c'était une un achèvement négociation. dur hein. mmh. négociation mmh. avec aussi beaucoup de contestations politiques, notamment mmh. des Allemands qui qui ont vite décrété qu'il fallait abandonner leur euh, leur démarque euh, qui avait mmh. un statut de, de comment dire sacral le démarque mmh. pour euh, l comme, comme comme récompense pour la réunification ainsi de suite hein. voilà donc voilà euh, ouais, c'est ça ça c'est négocié en échange de la réunification allemande c'est c'est vraiment Mitterrand Cole qui ont qui ont négocié voilà donc ça, je pense et, que c'est c'est je... Mitterrand qui voulait qui voulait l'euro Jacques Delors Mitterrand c'est plutôt la France. Voilà. Voilà. A voulu hein. mmh. Mmh. voilà donc c'est une longue histoire parce que mmh. aussi la france mmh. la, la france mmh. mitteur... Oui, voilà, parce que la France a quand même fait la politique du franc fort. Donc, la France a aussi fait beaucoup de sacrifices, justement, de, de stabiliser euh, le taux d'échange euh, euro euh, des marques euh, francs euh, dans les années 80. Donc, pour la France, c'était aussi une marche dure. Hein. Donc, euh, mm -hmm. voilà. Donc, euh, les deux pays ont fait des sacrifices parce que Kohl et Mitterrand et Delors, parce qu'ils étaient fils de guerre, voulaient mm -hmm. ça impérativement. Et je, Helmut Kohl a toujours dû euh, l'euro euh, faire que l'Europe sera plus en guerre. Voilà, c'était ça la parole de, de, de Helmut Kohl. Hein. Ouais, Et donc, nous voilà 30 ans après, l'Europe est en guerre. Hein. C'est ça très pas intéressant. Encore, euh, pas mais, euh, pas encore l'UE, mais pas encore l'UE. Ça se rapproche, voilà, on va en discuter. Mais hum. euh, là, maintenant, on est en train de discuter. Quel était l'esprit des années 90 Quel était l'esprit mmh. de, de, de la maison oui. de Jacques Delors Qu'est-ce qu'il voulait bâtir Et je pense vraiment ce qu'il voulait bâtir comme quelqu'un qui, euh, qui travaillait pour le bire. Et c'est important de, de mentionner ça au même moment où on mentionne l'euro, parce que l'euro, on est vite en contestation que l'euro est une monnaie néolibérale, néolibéralisée, que, ainsi de suite. Je voudrais bien clairement dire que Delors l'a su venir. Delors, il était attristé que ses propositions d'une charte sociale qu'il a lancée en 89 n'étaient pas signées par la Grande-Bretagne, que la charte sociale n'avait pas d'impact politique. Et Delors mm -hmm. a clairement vu dans les années 90, quand j'ai travaillé pour lui, que faire mm -hmm. l'euro sans faire l'Europe sociale allait casser les rapports capital-labour en Europe, allait euh, en fait. Euh, détruire le, comment dire, euh, les employés européens parce qu'on n'a pas des trade unions, des syndicats européens fortes et qu'on allait jouer les ouvriers d'un pays contre l'autre pays, ainsi de suite. Il a clair, clair, clairement vu. Et c'est justement euh, dans le livre que j'ai cité au début, euh, euh, Jacques Delors, L'unité d'un homme, Entretien avec Dominique Walton. Euh, Jacques Delors, mmh. il était très, très, très attaché. À la Mitbestimmung. Euh, mm -hmm. Il était très attaché aux droits des ouvriers. Il était syndicaliste d'abord, Jacques Delors. Hein. Il était d'abord chrétien, il était syndicaliste. Moi, j'ai toujours vu un Jacques Delors chaleureux, chrétien, euh, syndicaliste, qui se battait pour la Montagne Union, qui mm -hmm. se battait pour la Mitbestimmung, mm -hmm. pour lequel le modèle allemand était toujours un. Un rêve, quoi. Hein, le, le balancement de, de comment dire, des tarifs tarifaires et tout en Allemagne. pour Jacques, Jacques Delors voulait ça à l'échelle européenne. Et donc, simplement pour dire que l'euro, il l'a introduit, mais l'euro que Jacques Delors aurait voulu est une autre euro que celle oui. qu'on a aujourd'hui. Qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est intéressant que tu mentionnes le rôle du, du Royaume-Uni. Hein. On, on comprend bien sûr que, que l'euro a été une négociation franco-allemande, mais qu'en réalité le pays de l'Union européenne qui en voulait le moins, c'était le Royaume-Uni. Alors, d'ailleurs, comment ça se fait qu'il soit si peu intervenu en amont, alors qu'on sent que une fois que l'euro a été posé, on a certainement eu une prise de conscience du fait que bah, l'euro allait marcher, euh, comme, ah, parce que ça a été un succès très très rapide en fait l'euro. 2002. Euh, en 2003, on commence à avoir aussi euh, Kohl, toujours l'Allemagne et la France qui se, qui se mettent d'accord pour dire aux Américains qu'ils qu ne les suivent pas en Irak. Donc on a une espèce de période un peu de rébellion euh, par rapport euh, à, au camp. Atlant Atlantis, dont l'Angleterre est bien sûr très très emblématique. Est-ce que effectivement, euh, quel, est que en plus de ça, on est dans un contexte post-chute du mur où on a quand même les États-Unis et l'Angleterre de fait qui sont extrêmement euh, omniprésents les années 90. C'est à la fois une, une période, c'est drôle parce que toi tu vois vraiment les années 90 comme une période pleine d'espoir. Moi je vois les années 90 comme la fin de la période d'espoir avec déjà des débuts de retournement euh, de, avec notamment notamment cette chute du mur qui amène beaucoup les anglo-saxons au milieu du jeu européen, qui arrive, à, qui laisse passer quand même l'euro en 2002, mais qui ensuite s'aperçoivent que l'Europe est en train de suivre un chemin qui ne les intéresse pas, et notamment ce que tu disais, l'Europe sociale, donc l'Europe politique dont sur laquelle on va revenir. Est-ce qu'on a effectivement quand même dans les années 90 se cristallise quelque chose au sein de l'Europe et dans les grands sponsors de l'Europe que sont les États-Unis, euh, quelque chose qui se cristallise, qui ne veut plus d'Europe et que ça pourrait expliquer en partie les échecs Enfin, les, les limites qu'on atteint aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de ça et de ce qu'on pensait du coup de l'or ben, euh, je suis d'accord. Euh, je reviens au livre de Charles Grant, uh, Inside the House that Jack Built. Donc, euh, je disais que Charles Grant est un Britannique. Et euh, quand on lit, en fait, son récit sur les années, fin des années 80 et euh, jusqu'en 94, c'est ça l'époque que le livre couvre, on voit très, très, très bien, parce que Charles Grant réussit très bien à retracer les interférences de Margaret Thatcher et ce que les Britanniques ne vont jamais voulu. Donc, c'est très, très Clair que les Britanniques étaient dans l'obstruction. Euh, déjà, ils ne rentrent pas l'euro, euh, euh, mais ils, ils font l'obstruction sur l'Europe sociale. Et donc, euh, c'est très, très clair que de l'or, euh, enfin, que les Britanniques surtout, se battent contre ce que les Britanniques appellent l'Europe fédérale, l'Europe de Spinelli, euh, en fait, toutes ces thèses de, de l'Europe d'intégration politique, ainsi euh, de oui, oui. Et donc, euh, je, euh, encore une fois, pour ceux qui sont intéressés de relire un peu l'histoire, le livre de Charles Grant est un bon témoignage du temps où on voit très 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 bien que dès le début les Britanniques sont encore inside out hein, et ils restent dans l'Union Européenne pour ne jamais en fait mmh. euh, y être et donc on voit avec 2016 pour faire le lien aujourd'hui que entre temps ils ont quitté hein. mais il est, il est mmh. vrai aussi que je, je, quand on prend les mémoires de Jacques Delors, hein, édition plomb, euh, il y a tout un chapitre où Jacques Delors en fait se désole sur Margaret Thatcher. Euh, mmh. Il paraît dans ses mémoires il il y a, a ces pages 366, euh, voilà, je me suis un peu préparée à cet entretien, euh, que Delors a un petit sous-chapitre qu'il a intitulé « Mon entêtement sur le social ».« Mon entêtement mm -hmm. sur le social mm ». -hmm. Voilà. Et donc, il décrit très, très bien, comment il fait voyage après voyage, euh, entre Châtel-Diplomatie, euh, justement, entre Strasbourg et Bruxelles, et toujours « Fetcha, Fetcha, Fetcha ». Donc, les citations que Delors trouve dans ses mémoires pour dire « Je vous ceci je voulais cela mais puis thatcher puis john major et les britanniques et encore les britanniques euh, et voilà c'est très clair déjà dans les années 90 hein, ça voilà donc mm -hmm. il faut pas nier je, je veux pas tomber mm -hmm. dans le piège de l'europe en rose mais euh, ce que je pense que je, re, je, re, je retiens d'être d'avoir été avec lui pendant trois ans, 96, 17, 18, d'avoir mmh. fait quand même pas mal de voyages avec lui, c'est-à-dire on a voyagé quand mmh. même en avion, c'est-à-dire Jacques Delors était invité, je ne sais pas, en Allemagne, j'étais avec lui dans l'avion, puis on faisait une réunion, on retournait, donc ça fait quand même une ou deux heures d'avion avec Jacques Delors, mmh. donc le mmh. temps de, de prendre un, un petit vin et de d'échanger, de, 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 voilà. Mmh. Euh, je pense qu'en différence d'aujourd'hui, il y avait une espèce de, de consensus parapolitique, droite ou gauche, que l'Europe est nécessaire. Il mm. y avait encore mm. ce, ce bâtiment de l'Europe euh, des enfants de guerre, comme Delors, comme Ituron, comme Kohl. Plus jamais de ça, plus jamais de la guerre. Mm. On fait mm. quelque chose de beau, de politique. On sait que... C'est pas tout en rose. On sait qu'il y a la guerre de l'Irak. On sait que la Yougoslavie partait On sait que on savait que toutes les réformes institutionnelles c'était des tiraillements ici, et cela et les Britanniques et je ne sais pas quoi. Mais cette idée que l'Europe doit être unie, que l'Europe a une âme, c'était toujours la parole de Jacques Delors. Hein? Il faut donner une âme à l'Europe. Les gens vont pas tomber amoureux dans un marché unique. Hein? Voilà, il faut une, donner une âme à l'Europe. Je pense que ça c'est c'était euh, là. Et on avait mmh. tellement de citations, que ce soit Giscard d'Estaing avant ou euh, Helmut Schmidt avant ou même Willy Brandt, enfin les générations de, de, de constructeurs, architectes européens avant, de citations que l'Europe est un mast, l'Europe doit être. Hein. Mmh. Et, et cette ambiance qu'on peut confronter des problèmes. Mais les problèmes sont là pour être résolus et que ce soit la réforme agricole ou la préparation du budget ou la réforme institutionnelle, et oui, c'est nitty gritty, c'est dur et c'est long et c'est technique et c'est ceci et ce cela, mais il y avait quelque chose de on ne met pas en question que l'Europe doit exister. Mmh. Et je pense que c'est très fondamentalement ça qui a changé parce mmh. qu'aujourd'hui, on a l'impression que cette... Euh, Comment dire, justement, cet sentiment que l'Europe doit exister, que ça, c'est est, 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 est fini. Hein. On est, mmh. Je trouve, on va en revenir peut-être plus tard dans l'entretien, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une phase de régression nationale. Mmh. C'est assez dystopique, de, de repli, mmh. euh, voilà. Et, euh, et, et donc, la volonté politique, dans les années 90, malgré les problèmes, euh, c'était là. Est-ce que l'Europe serait pas allée trop loin Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu ne te poserais pas quand même la question, savoir quand même, outre les obstacles qui ont été mis sur la route de, de cette Europe de, de Jacques Delors, hein, dont on a très brièvement parlé, par exemple, en, en parlant du Royaume-Uni, etc. Mais est-ce que quand même... Il y a quelque chose finalement aujourd'hui qui serait peut-être démodé, qui serait peut-être plus adapté au monde du 21e siècle dans cette Europe qu'a posé euh, euh, Jacques Delors, avec, pas tout seul hein, avec les l'accord, En disant il faut une Europe unie, mais avec peut-être une vision qui était voilà, qui comment qui a qui allait peut-être trop loin. On regarde aujourd'hui les intégrations régionales qu'il y a dans le monde, c'est assez intéressant de voir qu'il y en a assez peu qui ont l'air de suivre maintenant le modèle européen euh, considérant qu'effectivement ça va trop loin et que les régions sont pas forcément prêtes les les, les grandes région, c'est pas forcément prête à diluer, euh, à diluer quand même les États membres. Est-ce qu'il y avait chez, chez, chez Jacques Delors cette idée qu'il fallait quand même diluer les États membres pour arriver à construire ce niveau, euh, ce niveau européen ou comme un niveau vraiment de gouvernance euh, assez centralisé -ce que et, voilà, et plus généralement, qu'est-ce que c'était la vision de l'avenir à, à l'époque hein Qu'est-ce qu'il avait comme vue, vision de l'avenir de la gouvernance européenne C'était une Europe fédérale, bien sûr, mais qu'est-ce que ça veut dire Parce que ça, c'est quelque chose, nous, euh, dans dans, dans, enfin, Franck Bianchieri notamment disait toujours qu'il n'aimait pas utiliser cette expression, parce qu'il trouvait que ça voulait dire des choses différentes, selon qu'on parle à des Allemands, à des Français, à des Italiens, à l'Europe fédérale, ça veut dire des choses différentes. Donc c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on utilise des mots, mais que tu me dises un petit peu comment tu sentais que Jacques Delors voyait cet avenir. Tu as utilisé aussi le terme de démocratisation européenne, qui est le sujet sur lequel Franck Bianchieri a travaillé pendant 30 ans, euh, et nous, on n'a pas eu l'impression qu'il était tellement réutilisé. C'est toi qui l'as réutilisé, ce terme de, ré, de démocratisation de l'Europe. Donc, on a parlé d'Europe politique, ce qui n'est pas la même chose qu'Europe démocratique. On a parlé d'Europe sociale, qui était vraiment le cœur du sujet de Delors. Mais qu'est-ce qu'il voyait en fait comme fonctionnement de l'Europe, euh, disons, puisqu'on était en 96-18, euh, euh, là sur la période dont tu parles, en 2020 ben, euh, euh, le terme. Merci pour la question parce que c'est une question très très importante. Avec quel mot, avec quelle sémantique on a mené mmh. le débat européen à l'époque. Hein? Mmh. Donc, euh, moi, je suis allemande et je me souviens des euh, des, des discussions éternelles alors que les Français disaient toujours ⁇ il faut un gouvernement économique ⁇ et les Allemands disaient toujours ⁇ il faut une union politique ⁇ Donc mmh. entre le gouvernement économique français et l'union politique allemande, qui au fond vise un peu le même problème de l'organisation européenne. On n'a même pas trouvé les mots parce que euh, un, un gouvernement c'est toujours un gouvernement tout court. On peut pas avoir un gouvernement sans avoir un gouvernement des autres choses hein, parce qu'un gouvernement c'est essentiellement un budget et après la décision sur quoi on utilise un budget. Donc on peut pas avoir que un gouvernement économique et ne pas faire le gouvernement sur le reste. Mmh. C'est mmh. pour ça que les Allemands disaient toujours union politique mais union politique ça se traduisait pas par le français. Voilà donc il y a voilà, il y avait des, des nuances vraiment importantes. Je vous cite là maintenant, enfin je te cite justement encore dans les mémoires de Jacques Delors, j'ai trouvé la page 455, le terme de Delors était parce qu'il ne voulait pas trancher. Il ne voulait pas trancher entre les fédéralistes et les souverainistes. Mmh. Ils, ah, savaient que mmh. la, que la, ils savaient ah, que la nation mmh. est importante, mmh. que la nation mmh. a une valeur culturelle, identitaire, tout cela. Mais ils voulaient être aussi fédéralistes. Donc le terme qu'on trouve dans tous les discours de Jacques Delors de l'époque, c'était il faut la fédération des États-nations. Donc l'Europe est la fédération des états-nations. C'est aussi, tu vois, c'est assez évasif pour ne pas être très clair parce que c'est quoi la oui. fédération des, des états-nations Je te lis une, une, une phrase, euh, voilà. Euh, il convient donc que la nation dispose de marges de manœuvre dans tout ce qui renforce cette cohésion et affirme une personnalité collective la politique de l'emploi, de l'éducation, de la santé, de la sécurité nationale. Donc de même que la nation garde des compétences, comme on dit, mais que l'Europe soit fédérée sur un autre plan. Hein, mm -hmm, voilà. Mm -hmm. Donc c'était assez flou, mais à l'époque, en fait, il fallait, flou pour, il fallait être flou pour progresser, hein, je, oui. je pense. Là oui. maintenant, on revient à ta question. Est-ce qu'on est allé trop loin mm -hmm. Et en fait, je pense que c'est exactement ça. Il fallait être flou pour pouvoir avancer, et parce qu'on a avancé tout en étant flou, on a avancé sans réaliser ce qu'on fait. Oui. Et en fait, j'ai l'impression que là maintenant, on est tombé dans un monstre institutionnel. C'est quand même le terme de Thomas Piketty. Hein, L'Union européenne, on a créé un monstre, une monstre de gouvernance, une gouvernance de l'euro, une gouvernance de, 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 du marché commun, que, que, que les citoyens, ils ont ras le bol, ils ont ras le bol mm. sur l'agriculture, mm. ils ont ras le bol sur, euh, tu vois, les petites lampes euh, ou les ampoules ou je ne sais pas quoi, euh, toute la petite législation mm. de l'Union Euro, mm. européenne. Pire, là, maintenant encore, parce qu'aussi, Digital Service Act et tout ça, c'est quand même des mesures para-autoritaires de contrôle, de, 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 comment dire, de, de la presse libérale et tout cela. Donc, c'est vrai. La question aujourd'hui, en rétrospective, c'est une réelle question historique. Est-ce qu'on est allé trop loin? Et dans quelle idée, dans quelle bonne intention on est allé trop loin tout en étant euh, fluide. Donc, on pouvait avancer sans réaliser qu'on est en train où on va atterrir. Et là, maintenant, on réalise, on est atterri dans un monstre institutionnel contre mmh. lequel les citoyens euh, s'obstinent à raison, à raison, hein, mmh. parce qu'on est en déficit démocratique en Union européenne. On a une, un système dit generis et personne ne peut expliquer. Que fait la Commission Qui est le législateur Que fait le Parlement européen mm. Qui décide du budget Pourquoi Madame von der Leyen est présidente de la Commission alors que nous, en tant que citoyens européens, on a élu Manfred Weber ainsi de suite. Hein? Donc il y a plein de questions. Et là-dessus, très souvent, euh, il y a la question est-ce qu'on a élargi trop tôt mm. Donc, euh, je dirais personnellement, l'histoire présente les plaques qu'une fois. Que faire en 92 quand le mur s'ouvre, quand l'Union soviétique tombe, quand il y avait une telle histoire, une tel espoir de la, du mur ouvert, de l'Est de l'Europe accueilli dans, dans la liberté. Enfin, quand on vous revoit les images de 89, le mur qui tombe, l'Union, on était quand même tous en surenchère. On, on, on peut se souvenir du livre de Francis Fukuyama, « La fin de l'histoire ». On était en surenchère, mmh. on était tous mmh. un peu imbibés de... Nous, on a gagné, on a gagné sur mmh. le socialisme, mmh. le monde libéral, euh, libre, à, à, voilà. Et donc, on a accueilli l'Europe de l'Est, on était content de revoir les Tchèques, les Polonais, euh, les Hongrois. C'est quand même aussi une partie... Enfin, le Mitteleuropa, je me souviens, en France, on parlait toujours du Mitteleuropa, mmh. Jacques Rupnik, voilà, le Mitteleuropa. Donc, euh, on était quand même contente mmh. Donc, quoi leur offrir, sinon de dire maintenant vous faites partie de la famille européenne et alors tant que l'Europe était l'Union Europé européenne, quoi d'offrir d'autre que l'accession à l'Union européenne Donc, je ne veux pas dire qu'on a fait une faute, c'était le plat de l'histoire qu ouais. qui, était, qui était à prendre ou à laisser, mm -hmm. mais mm -hmm. que ça a, nous a mis dans des difficultés extrêmes quand l'élargissement mm -hmm. est euh, venu en 2004 et qu'on n'avait justement pas la constitution qui était préparée en 2003 et qu'on mm -hmm. a donc élargi sans avoir la constitution, c'est-à-dire mmh. on a élargi sans avoir l'approfondissement. À l'époque, mmh. tout le monde discutait deepening and widening, deepening mmh. and widening. Mmh. Donc on a fait le widening sans le deepening Merci. et du coup, on est en blocage institutionnel depuis 15 ans mmh. et ça mmh. se voit mmh. maintenant. Mais ça se voit maintenant. Alors c'est vrai qu'il y a déjà, je trouve que c dans cette euh, phrase, que tu, dans cette expression qu'utilisait Jacques Delors, le, la fête qui, qui ne tranchait pas en parlant de fédération des États-nations, euh, on entend tout de suite immédiatement quand même que les citoyens, ils n'y sont pas. Une fédération d'États-nations, euh, euh, à la fois c'est légitime, hein, je suis pas en train de critiquer, mais... C'est vrai qu'on sent que, voilà, il y a quand même eu toute cette époque où c'était le moment de faire l'Europe le politique et donc de faire entrer les Européens, les citoyens, et qu'en fait on était toujours dans des problématiques finalement d'État-nation, d'arriver à savoir comment effectivement cette maison allait fonctionner, euh, fédéralisme, intergouvernementalisme, etc. Et en fait du coup le sujet n'a jamais été, moi j'ai l'impression les citoyens, est-ce que tu peux me dire le contraire Est-ce que tu peux me dire que Jacques Delors c'est réellement sincèrement, enfin sincèrement peut-être dans des conversations en aparté, mais est-ce que dans notre Europe, dans son, dans ces deux mandats à la tête de la Commission, est-ce qu'il y a eu des preuves du fait qu'il s'était quand même vraiment intéressé à comment embarquer les citoyens dans ce projet non, à vrai dire, je te donne raison. Je te donne raison ah, que le débat des années 90 était un débat très accentué sur l'État, sur le rôle des États, l'État souverain dans l'Europe, ou alors l'État national dans l'Europe, ou alors la Fédération des États, ou alors la Fédération des Nations. Mais oui. on était tout à fait encore dans un vocabulaire, disons, étatique, hein, que mm -hmm. ce soit Staatenbund ou Bundesstaat dans, dans, mm -hmm. dans, la, dans la sémantique allemande. Et c'est vrai que ce n'était pas l'esprit des années 90 de parler. Parler l'Europe des citoyens. Et mm -hmm. je dois dire pour mentionner qu'en fait, c'était la décade après, donc plutôt la décade où on a essayé de continuer la, de, de faire la constitution en 2003, le, le, comment dire, le, 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 le traité euh, constitutionnel européen. Et c'est en fait, je, je, je veux le dire, rendre hommage à Franck Biancheri, parce que c'est quand même lui qui a mis ça dans le débat, mais in extremis. Hein. Franck mm -hmm. était quand même un des plus forts et un des plus tôt euh, là a thématisé que l'Europe sans les citoyens ne peut pas fonctionner, mm. sans une relation du citoyen européen à son système politique que doit devenir de l'Europe. Il était très fort, en fait, tu, tu sais mieux que moi euh, mm. toutes les initiatives que Franck a lancées et mm. je, je, des, des, des des combats d'ailleurs qu'il a menés. Mm. Mais pour mm. dire ça, il était euh, il y a le, le pour nos écouteurs, il y a aussi le livre d'Étienne Balibar, sommes-nous citoyens de l'Europe, qui est un livre qui, mm. qui a été écrit en 2000, donc, trois ans après, mmh. avant le traité constitutionnel. Je trouve que le, le livre d'Étienne Balibar a eu une influence énorme parce qu'Étienne Balibar, dans ce livre, Sommes-nous citoyens de l'Europe, dit en fait non, on n'est pas citoyen de l'Europe. Hein. Mmh. On a un marché commun, on a de l'euro, mais mmh. après tout, on est citoyen finlandais, allemand, italien ou français. On n'est pas citoyen européen. Tant qu'on n'est pas citoyen européen, on ne peut pas parler vraiment de l'Europe politique ni démocratique. Mmh. Et c'est mmh. ce débat que Franck a pris vraiment. Vraiment, mmh. comme on prend un taureau par les cornes pour mmh. lancer de dé, mobiliser ce débat mais en fait rendre hommage à franck bianqueri à ce moment une décade après, après encore, je dirais après la crise bancaire, quand l'Europe a été secouée par la crise bancaire, où les citoyens européens se sont réveillés en pleine crise bancaire, oui. où on a compris que là maintenant, on se lâche sur les dites euh, euh, lazy Greeks euh, euh, et mm. les paresseux mm. italiens, enfin le chauvinisme partait mm. à gogo. C'est vrai que à ce moment-là, la jeunesse européenne était dans la rue. C'est Stéphane Hessel qui a crié euh, euh, « Indignez-vous oui, ». C'est indignez la première fois que la jeunesse européenne euh, S'est mobilisé pour manifester devant la porte de la BCE pour dire l'Europe est à nous. L'Europe, mm -hmm. c'est pas l'Europe de l'austérité. L'Europe, ce mm -hmm. sera sociale. L'Europe, mm -hmm. ce sera pour les citoyens. Et je trouve que dans la première décade, quand Franck Biancheri mm -hmm. a fait mm -hmm. son, son combat, il était encore un peu isolé. Mais mm -hmm. la deuxième oui. décade, donc en fait, la décade après la banque, crise bancaire, je trouve que ouais. le, le débat académique, mais aussi public, sur la citoyenneté européenne, sur ce que ça devrait dire euh, comment ça devrait s'articuler. Mmh. Ce mmh. débat a pris a pris en, en, en vitesse, mais c'est malheureusement que maintenant, après le Brexit, la crise de corona, la guerre en Ukraine et tout, que ce débat a été abrégé d'une certaine manière, mmh. mais vraiment, what... euh, euh, comment dire, coupé mmh. sec, quoi. Mmh. Tout à fait. Alors du coup, ça me permet effectivement de poser cette dernière question sur. Euh, si nous, nous arrivons au terme de notre échange euh, sur l'avenir. Comment le vois-tu toi l'avenir Alors je, je sais très bien que toi tu milites pour une République européenne, hein, euh, mais il y a ce que toi tu veux, il y a ce que toi tu vois. Comment est-ce que tu pourrais Voilà, sur la base de des limites et des succès de cette époque là et de l'histoire qui est passée et qui ne repasse pas les plats et, et les citoyens qui sont toujours pas là ou qui sont mal là et, et qui s'intéressent d'ailleurs plus beaucoup à l'europe mais plutôt à des problématiques mondiales globales et dans lesquelles ils voient, pour lesquelles ils ne voient pas l'europe comme étant un instrument pour effectivement résoudre ces problèmes globaux qui les intéressent. donc euh, à ton avis ces citoyens qui, quand même, commencent à, à être un peu là, puisqu'il y a notamment des partis politiques transeuropéens, un peu plus d'envergure que ce qu'avait créé euh, euh, Franck dans les années d'une part 80 et ensuite 2000, hein, puisqu'il était là pour 2009. Hein, tu parlais de 2008, la crise, euh, la crise européenne, la, la, la crise grecque, ensuite, enfin la crise de, de l'euro, etc. Euh, les élections, donc c'est 2009, tout ça. En 2009, on a aussi les élections européennes, et là, Franck était là avec, un, avec son deuxième parti politique transeuropéen qui s'appelait New Europeans. Mais. D'une part, il était malade, le pauvre, mais, euh, mais, euh, mais de toute manière, malade ou pas malade, je ne pense pas qu'on aurait fait une grande différence. En revanche, depuis, on a quand même Diem 25, on a Volte. Donc on a quand même des formes de mobilisation de, de, de citoyens européens. Mais pour quelle Europe, sur quelle base, avec quelle prise euh, et pour quelle vision de... de, 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 de voilà, qu'est-ce qu'on qu peut espérer Alors repoussons maintenant, puisqu'on est en 2023. Euh, on a parlé de l'or, sa vision 2020. Quelle serait aujourd'hui, toi, ta vision Partiellement héritière de Delors sur l'Europe en 2040. Celle Alors, que tu veux, celle que tu oui, vois. Oui, euh, déjà, je pense que Jacques Delors sera. Euh, euh comment dire, agréablement touché par le débat sur la citoyenneté européenne tel qu'on l'a vu. Hein. Delors était assez muette sur les questions européennes. Oh, ça, ça fait longtemps qu'il était malade, donc on ne l'a pas entendu euh, récemment dans des grands interviews. Enfin, il a été, euh, tu vois, après la crise bancaire, on n'a pas, pas pris parole. Il n'a il a plus pris parole depuis un certain moment. Hein. Mmh, Mais je pense mmh, que de, oui. Delors a euh, beaucoup apprécié euh, les débats sur justement la citoyenneté européenne et la jeunesse et la formation. Des parties européennes trans, transnationales, comme tu as mentionné, Voltième, mm -hmm. tout cela. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vois moi et qu'est-ce que je veux moi est Ce que mm -hmm. je voudrais moi, euh, c'est très clair, ça fait une dizaine d'années que j'écris des livres sur euh, ma petite idée de euh, la République européenne, justement, hein, parce que la République est quand même, euh, euh, comment dire, euh, le mot précieux euh, de, de, de l'Europe. Depuis Platon, euh, Aristote, Cicero, Rousseau, Kant et tout le monde parlait de la République. Et pourquoi Parce que la République, c'est la citoyenneté. La République, c'est dignité, citoyenneté, liberté, égalité. Donc, organ... L'Europe en République, ça me paraît évident. D'ailleurs, il y a un débat français encore aux, aux, aux écouteurs français. Il y a un livre de Patrick Sévident, qui est un politologue et philosophe français, qui a été édité en 2004 et ça s'appelle République ou l'Europe République ou l'Europe, donc ça, ça pose très clairement. Donc soit on est République, si on veut faire l'Europe, il faudra la faire en, en, il faudrait laisser la République française pour faire la République européenne, mais on ne peut pas faire l'Europe en tant que Union européenne sans République. Donc République ou l'Europe, hein? voilà. Ça, ça me paraît très très clair que le débat devrait se évaluer, évaluer vers cela, euh, voilà. Et donc il faut aussi dire à ce moment que justement l'Europe ne, ne doit certainement pas être élitiste, ne doit pas certainement être une gouvernance, mais un réel gouvernement républicain et donc euh, par définition sociale, par définition décentralisée. Moi, mon aspiration serait de voir en fait euh, euh, des républiques européennes en pluriel, c'est-à-dire je vois une forte tendance vers une régionalisation, même en France, euh, dont on a toujours dit que la France est très centralisée, mais moi je capte maintenant des Bretons et des, des gens d'Alsace. Tu vois, il y a une régionalisation. Mmh. Même en France, mais la régionalisation, elle, fait, elle, a, elle est aussi en Italie, en Espagne, avec la Catalogne, les, les, les Scots, enfin Scottish, les Écossais. Euh, mm -hmm. Voilà, donc je vois une décentralisation, je vois une régionalisation, euh, tout ça pour justement démocratiser et de construire, bâtir une Europe bottom-up et pas top-down. Je pense que c'était là l'erreur mm -hmm. de l'histoire. Et tout ça sous, oui. en fait, euh, une toit très fine qu'on pourrait appeler République européenne. Hein, voilà. Donc, ouais. euh, ça, c'est ma petite version, euh, vision personnelle. Euh, je pense effectivement, elle est peut-être encore légèrement utopiste, mais je trouve c'est toujours important dans des temps de dystopie, dans des temps où on est en en train de perdre un peu l'humanité, de perdre un peu l'humanisme, de perdre un peu les grands. enfin, les de les grands. les grandes lignes de l'histoire, je trouve qu'on est en train de la perdre en ce moment parce que mm -hmm. l'europe est quand même dans un marasme. pas uniquement l'europe, les, les états-unis aussi. donc, on est, euh, voilà, on est en train, voilà l'occident, on est en train d'avoir au moins deux, trois, quatre guerres. Euh, l'ukraine, gaza, euh, mais peut-être l'iran, peut-être taïwan. enfin, tout le monde est en flamme, on a l'impression, mm -hmm. mais en même temps, on est en régression nationale, en régression populiste, on, est, euh, on a des paroles euh, anti-migratoires euh, en Allemagne, enfin vraiment très, très, très violentes. Donc euh, euh, la situation politique n'est pas saine nulle part en Europe, hein, ni ici, ni en France, ni en Italie. Euh, voilà, donc je suis, euh, je suis assez alarmée qu'on est en train vraiment de voir la beauté de l'Europe, euh, l'humanisme de l'Europe, euh, l'universalisme de l'Europe, euh, la beauté intellectuelle. De l'Europe et l'esprit de l'Europe, l'esprit au sens pur du mot. Hein. Donc, euh, la République, c'est quoi C'est la dignité, c'est la citoyenneté, c'est la cité, la cité, hein. l'idée de la cité, c'est-à-dire que la vie politique se fasse dans la cité par une agora des citoyens. Mm -hmm. C'est ça la République. Mm -hmm. hein. Voilà. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. voilà. Entre ma petite vision mm -hmm. et euh, la réalité, je pense, malheureusement, c'est un peu Gramsci. Hein, donc, euh, je mm -hmm. me désole qu quand je regarde euh, l'actualité. Je me console quand je crée des visions. Hein. Donc, voilà je suis, quand, hein, quand je suis analytique, je ne peux pas voir beaucoup de beau en ce moment dans mm -hmm. le paysage mm -hmm. politique. C'est très clair. Hein. Mm -hmm. Mais euh, je pense que c'est d'autant important de tenir des, des utopies euh, politiques euh, dans des moments de régression. Hein, voilà. Donc, pour la réalité, j'ai l'impression, enfin, je suis allemande, la L'Allemagne est en, en état d'émeute. J'ai téléphoné à mes fils qui sont en France. Je dis mais vous lisez quoi sur l'Allemagne dans les journaux Il m'ont dit bah, pas rien, rien, pas grand chose. Donc vive les états l'Europe écut... voilà. <laughs> Qu Donc qu'est-ce vit... se passe en dehors de la France On en voilà. sait rien. Voilà. Donc, euh, les écouteurs français, je vous dis que là maintenant, on a les paysans dans la rue, c'est presque gilet jaune. Il y a un gouvernement affaibli, il y a une situation de, de en Allemagne qu'on a. a peine Vu depuis la deuxième guerre mondiale, il y a vraiment une, je, je dirais presque, une, 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 une ambiance de révolte, surtout mm. côté paysan, surtout sur côté euh, dans, dans les zones rurales. Euh, il y a un une, une ressentiment contre le gouvernement, la montée de la, de, de, du AFT, donc euh, mm. des populistes, nationalisme, en même temps, une, une haine contre les gens immigrés, donc euh, contre les les, les musulmans qui qui des confrontations entre les pro Gaza dans la rue et mm -hmm. la loyalité avec l'Israël et tout donc l'Allemagne vraiment est en, en situation politique sérieuse je vous mm -hmm. dis ça mm -hmm. et je voudrais lire plus sur ça en France parce que l'Allemagne euh, est quand même le plus grand le plus puissant Pays, c'est pas pour parce que j'adore mon pays, c'est même pas ça, c'est parce que quand l'Allemagne chute, l'Europe chutera mmh. avec. Hein, pas de, de l'Europe stable sans avoir une Europe euh, sans Mais avoir une forte, Allemagne stable. Euh, voilà, une Allemagne. Forte, voilà. Et bien donc, bien. Euh, je pense qu'il y a toute une Europe à repenser. Je pense que très malheureusement, on va s'engager dans une période de régression avant que ça deviendra mieux. Je pense qu'il faudrait terminer d'urgence les guerres, la guerre en Ukraine. Je, je regrette, moi, souverainement, que l'Europe n'a pas pris le rôle d'une modérateur de guerre euh, mais que l'Europe s'est livrée à la, à la course des armements euh, que l'Europe est en train là maintenant de se mm -hmm. nuire en Ukraine mm -hmm. d'instrumentaliser l'Ukraine à mon avis à mon humble ami mm -hmm. mais je parle beaucoup aux ukrainiens et y a, les ukrainiens on en ont marre de la guerre ils en ont marre de là la oui, guerre et, et au lieu de reconnaître que cette guerre est perdue et qu'on fasse la paix avec la Russie parce qu'on ne va pas faire l'Europe contre la Russie et que c'est l'Europe on a, on a on a quand même prêché pendant 70 ans plus jamais de la guerre et là maintenant il faut et de faire la paix on a des ennemis aussi fondamentaux Exactement. que la France et l'Allemagne et, et de de, dire, euh, il faut et et de, de développer mm -hmm. une coopération européenne russe et tout cela et, et qu'il faut oser de dire ça au lieu de reconstruire une mur et de couper mm -hmm. en deux l'Europe 1000 km après Kiev en gros et je regrette fondamentalement que que la Suède et, et le Finlande se sont fait rentrer dans l'OTAN, que l'Autriche est en train de perdre sa neutralité. Je trouve que l'Europe est en, en train de s'y livrer dans une, euh, euh, Quoi, de, de perte de, de, de toutes ces valeurs d'une certaine manière, valeurs de la paix mais aussi de la paix sociale, valeurs économiques de communauté ainsi de suite d'indépendance je, je trouve moi personnellement qu'il faudrait entamer d'urgence un débat sur comment dire euh, l'importance de la géostratégie américaine sur le continent européen sur la non congruence des intérêts américains et des intérêts européens dans la question euh, du continent européen Hein, qu'il faut parler des de, de l'Europe, qu'il faut s'émanciper aussi de, 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 des buts géostratégiques euh, de, des Américains qui ne sont pas les nôtres. J'ai l'impression qu'on fasse ce débat très timide. Il y a ces débats, il y a des, des débats, il y a des forats critiques en France, en Italie, en en Espagne, partout, il y a des voix critiques. Hein. Thomas Fazzi, par exemple, est un Italien qui écrit beaucoup sur la question. Euh, voilà, mais je trouve qu'il faut oser lever la voix européenne pour euh, demander une Europe souveraine, une Europe émancipée, mmh. et de regarder l'impact justement euh, de la stratégie américaine sur notre continent. Mmh. Je trouve qu'on mmh. a, c'est un peu Emmanuel Todd, hein, euh, mais je sais que Emmanuel Todd est aussi un peu, disons, euh, euh, bat, comment dire, écarté du paysage euh, mmh. euh, politique de la France. Enfin, mmh. c'est très intéressant qu'il a écrit son livre sur la Troisième Guerre mondiale euh, au Japon euh, et, et pas en France d'abord. Donc donc, euh, je, je, c'est ça mon souhait. Donc, pour dire entre ce que je souhaite et ce que je vois, je vois une période où nul va lever la voix, la, la, la voix pour l'Europe. Et ça me désole. Je, je me trouve personnellement un peu comme Stefan Zweig, Die Welt von Gestern, que les, lever la voix euh, pour une Europe qui... Certainement, on n'est pas l'Union européenne. Il y, a, il, y a, il y a peu de choses à défendre dans les structures de l'Union européenne. Il n'empêche que c'est l'Union européenne qui nous a amenés ici, c'est-à-dire qu'il y a le marché, il y a l'euro, il, il y a Schengen, il y a Erasmus, il y a les frontières ouvertes. Et je ne voudrais pas retomber derrière. Je ne voudrais pas revoir des, des frontières fermées à un moment. Euh, et. On a beaucoup à perdre, et je pense que c'est ça ce que je veux dire. On a beaucoup à perdre si on ne tient pas un discours, une voix européenne. Bien, ce sera le mot de la fin avec cette. Euh, voilà, cette. Euh cette Ce risque hein, que tu vois, ce danger. Euh, moi, personnellement, je suis. Enfin, je, suis je voudrais peut-être dire rebondir un tout petit peu. Je peux, je résiste pas à l'envie de rebondir quand même, de dire que je pense que ces forces, effectivement, anti-européennes, ont appris dans la crise, notamment de 2008, d'ailleurs 2008, 2009, qu'on ne pouvait pas sortir de l'Europe. Je crois que le Brexit a montré à tout le monde c'était très, 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 très compliqué de sortir de l'Europe. Et du coup, ils sont des, puis, ils sont des forces réformatrices. Mais bon, et c'est là que je suis d'accord avec toi qu'on va passer par une période très sombre d'une réforme qui aurait dû avoir lieu de manière lumineuse dans les années 90 vers le, voilà cette Europe politique etc et qui va avoir lieu en version hardcore en 2000 dans la décennie 2020 euh, par des forces qui sont euh, effectivement euh, des forces euh, des forces dures euh, et que voilà, je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il faut continuer de poser, porter des, des utopies, de porter un autre... Enfin, voilà, de, de poser un regard sur l'Europe après, parce que même ces périodes sombres prennent fin et que le plus on en est déjà en train de préparer l'Europe d'après, avec des gens comme toi, entre autres, euh, d'y réfléchir et de, et de continuer de regarder la réalité et comment on peut arriver à, en, à repartir vers des, des horizons euh, plus inspirants. Euh, mais effectivement, probablement, je suis assez d'accord avec toi acté du, du fait qu'on va... Qu c'est pas une période assez sombre, mais, mais qui euh, sera du, pas du coup, une période oui. de repli national, c'est ça que je voulais te dire euh, moi ouais. je ne la vois pas forcément comme une ah, période de repli, je pense qu'ils vont, ils vont Oh, ils vont monter au pouvoir sur cette idée-là, mais en réalité, ils ont un vrai projet pour l'Europe. Et ce projet n'est pas forcément sympathique, mais il va... Euh, voilà, voilà. voilà euh, c'est notre vision à nous, à, à, à l'IPP. Euh, je je voilà. reprends une, une, une phrase, mm -hmm. je pense ouais. que tu as raison, parce que c'est effectivement, il ne faut pas, je trouve qu'on a fait, c'est un grand tort d'analyser la situation comme si les populistes, les dites nationalistes ne font mm -hmm. pas l'Europe, ils font l'Europe. Mm -hmm. Simplement, ils ne font pas une Europe comme nous on veut, hein. donc c'est une, une Europe réactionnaire. Mais mm -hmm. ce que je voulais dire, parce qu'il faut... Planter l'utopie maintenant dans, la, dans, dans le temps de dystopie. Je suis mmh. en train de créer avec des artistes allemandes une groupe mmh. qu'on va appeler Europe 49. Et j'invite mmh. tous ceux qui peut-être en France écoutent ce petit podcast. Euh, en Allemagne, il euh, y avait un groupe d'écrivains qui s'appelait groupe 47 euh, dans le siècle dernier. Mmh. Voilà. Donc nous, on veut faire une groupe 49 parce que 1949, 20 049 où on est sorti le 2019. siècle dernier, où on va en sortir en 49, 7 siècles. C'est-à-dire, mm -hmm. c'est quoi le rôle de l'Europe dans le monde en 49? Mm -hmm. le, mm -hmm. le monde sera multipolaire. On va forcément Salut. sortir de cette hégémonie américaine. Et donc, il faut préparer une Europe qui, 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 pourrait, euh, mm -hmm. euh, qui, qui pourrait vivre, qui pourrait être là, qui aura un rôle dans une Europe multipolaire, dans, une, dans mm -hmm. un monde multipolaire. C'est une chose avec les BRICS émergentes et tout cela. Mais euh, l'Europe 49, c'est aussi de dire euh, quel tissu démocratique, quelle vision aurons-nous pour justement une Europe 49 Donc nous, mm -hmm. euh, une petite groupe, une dizaine d'artistes, euh, on veut faire un projet. Euh, euh, je, on a une idée peut-être, mais peut-être j'ai une résonance à dire ça en français. Par exemple, sur la Biennale de Venise, euh, il y a toujours des pavillons nationaux, pavillon français, pavillon italien. Un pavillon français. Pour mm. ne pas quoi, concevoir un pavillon européen pour la Biennale de Venise mmh, construire mmh, le premier pavillon européen qui sera le pavillon où on bâtit la maison mmh, européenne dans mmh, laquelle nous voulons vivre en 49 et mmh, je pense qu'effectivement on va avoir des années un peu sombres là à, 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 parce qu'on a trop de transitions sur tous les plans de technologie digitalisation mmh, climatologique mmh, et tout cela mais euh, un pavillon européen pour dire euh, euh, Comment voulez-nous que la maison, euh, quel intérieur à la maison européenne dans laquelle nous voulons vivre en 49 pour bâtir un rôle pour l'Europe dans le 21e siècle et Je trouve que c'est ça la question qui est sur Bravo. la table. Et Bravo. je trouve que la question aussi, si j'ai des petites emails mails de, 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 des Français qui, qui écoutent ça par, par chance, je serais très heureuse parce que je, je trouve aussi qu'il faut repartir en franco-allemand. On a perdu mmh. le franco-allemand. Mmh. Et, euh, et, et, et voilà. Ben bah écoute, c'est voilà, ça c'est merveilleux, c'est effectivement. On, part, on finit bien sur cette note à la fois d'optimisme et de, voilà et d'avenir. Donc je te remercie beaucoup, Ulrike, de cet échange qui pourrait durer encore 2-3 heures, hein, parce qu'on a plein de sujets qu'on n'a pas abordés, mais ça a été de toute manière passionnant et ça a donné un nouvel un éclairage, je trouve tout à fait intéressant sur l'histoire européenne. Merci beaucoup, Ulrike, et puis euh, à bientôt. Merci, merci, Marie. -Eled. I'm a citizen of Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. This podcast is only possible because of you. The countless viewers and listeners support our work through donations. If you would also like to contribute to the success of this project, please click on the corresponding button on our website, www.europeandemocracylab.org. Thank you. Je suis un citoyen européen.